Bon, tu vois, là, j'ai failli me faire gauler par les contrôleurs. Enfin, j'avais pas validé mon ticket. Le mec s'approche de moi. J'arrive à prendre mon ticket. Je le mets derrière mon cul comme ça, tu vois. J'arrive à scanner le truc pendant que le mec contrôlait l'affiche juste devant moi, donc nickel. Et là, il s'approche de moi avec un regard curieux et tout. Je me dis, oh putain, ça y est, 200$ dans le AS, je vais devoir payer avant de partir en road trip et tout. Et en fait, il me demande tout mon matos caméra et tous les références, machin. Du coup, je m'en suis plutôt bien sorti, mais oh là là. Tu sais, ces moments-là où la situation se retourne complètement, tu vois. Tu penses que tu vas prendre mais tellement cher et au final le mec il est admiratif devant ta caméra quoi, au départ. Bon là je me dirige vers la Bibliothèque nationale pour faire une petite séance apprentissage de vente, tu vois. Parce que je me suis acheté une petite formation sur apprendre comment vendre des trucs. Ce matin j'ai négocié, et si tu veux, ce matin j'ai négocié un blouson pour la moto, mais pas assez bien et ça m'énerve parce que j'ai toujours eu du mal avec la négociation, du coup j'ai vraiment envie de m'améliorer là-dessus, tu vois. Donc, bibliothèque. James, mon proprio, c'est un gars que j'ai rencontré. J'ai bossé avec lui en faisant du déménagement. C'est au tout début, c'était un collègue. Et petit à petit, on a commencé à parler. Et un jour, il m'a dit qu'il avait un appart à Sainte-Kilda qu'il devait louer parce qu'il vivait avec sa copine. Et que voilà, que si je pouvais, on pouvait emménager dedans, quoi, avec Jérôme. Et du coup, c'est comme ça que je le connais. Tu sais, j'ai même bossé pour lui la semaine dernière. On a fait pas mal de peinture. On a découpé des tapis. J'ai bossé pour lui quoi, donc je l'ai aidé. Et hier soir il m'appelle un peu en mode, enfin j'entends une voix un peu rauque, enfin pas le James de d'habitude quoi. Il me dit ouais écoute Egon, j'ai besoin que tu me dépannes, en anglais bien sûr, j'ai besoin que tu me dépannes et tout, je suis un peu dans la merde, je me suis disputé avec ma copine et j'ai besoin de dormir quelque part, j'ai nulle part où pioncer ce soir parce que voilà, on s'est engueulé quoi. Je lui dis ouais écoute, y a pas de souci, passe et tout. En fait le problème de James c'est que sa copine est ultra méga riche, mais quand je te dis méga riche c'est billionnaire, tu vois. Enfin la maison dans laquelle on a travaillé c'est une maison incroyable, elle a un Range Rover, elle a dans le genre 14 millions ou billions de dollars, enfin voilà. Je vais pas tout rentrer dans les détails, mais grosso modo, elle lui a demandé de signer un papier qui stipule que lui ne cherchera pas à lui voler tout son fric, tu vois. Et lui, le problème, ce qui lui pose problème là-dedans, c'est que ben, ça casse un peu tout le romantisme, tu sais. C'est vrai que l'argent, ça fait pas tout dans une relation, mais il faut quand même une solide relation. Il faut quand même... Enfin, je sais pas comment dire. Moi, je sais que je pourrais pas m'engager dans une relation avec une personne qui a un rapport à l'argent un peu bizarre, quoi. Pour moi, c'est important, tu sais, c'est un peu 50-50, quoi, genre... Enfin, je sais pas comment dire, pas qu'il y ait de dette, pas que l'un ait une dette envers l'autre ou quoi, mais que ce soit donnant-donnant, quoi. Et t'imagines un peu comme ça, t'imagines ta copine ou ton copain a une certaine somme d'argent, il te dit, écoute, moi, je veux bien vivre avec toi dans cette maison, mais tu signes ce papier qui stipule que tu vas jamais essayer de m'escroquer, quoi. M'escroquer, je sais pas si ça existe. Donc t'imagines bien que t'es un peu dégoûté et c'est pour ça que James il a décidé de partir de la maison et de prendre un peu de temps parce qu'il était un peu dans le mal et tout. Et on a eu cette super profonde conversation sur le fait que l'argent n'amène pas du tout le bonheur et que sa copine, enfin je vais pas donner de nom, je vais pas pointer du doigt les personnes, mais que sa copine n'est pas du tout heureuse et qu'elle a aucune notion de la valeur de l'argent, quoi. Elle lui avait acheté, il montrait ses vieilles pompes, tu vois, il me montrait ses vieilles pompes, il me disait qu'elle lui avait acheté 700$, des pompes italiennes, tu sais, enfin, je sais pas, genre, style, enfin, une marque que je connais pas, j'y connais rien à la mode, tu vois. Il me disait, mais ça sert à rien, tu vois, moi, je l'ai engueulé quand elle m'a offert ça, parce que, bon, enfin... Et voilà, il voit pas l'intérêt, quoi. Et moi, je lui dis, ouais, c'est clair, tu vois, moi, ces pompes-là, je les ai trouvées dans une poubelle, quoi. Et j'en suis grave heureux. Enfin, je pense que c'est les chaussures auxquelles je suis le plus attaché et que j'ai jamais eues parce que, enfin, elles représentent quelque chose, tu vois. Je suis quand même allé les chercher. Enfin, je sais pas comment dire, il y a une histoire, il y a une valeur. Alors que si t'achètes des trucs comme ça avec de l'argent, que la thune tombe à flot, que t'as un vrai, un baobab à fric dans ton jardin, quoi. Ben, c'est plus la même chose, t'es complètement déconnecté de tout le monde et on a vraiment eu cette discussion qui consistait à dire que l'argent quand il est là en abondance ou enfin l'argent quoi, si on a vraiment un mauvais rapport vis-à-vis de l'argent dans une relation ou même dans sa vie, ça peut vraiment foutre en l'air mais complètement toute une relation ou toute une complicité, tout un romantisme
qui pouvait vraiment être conservé, mais qui juste à cause d'un papier a été complètement déglingué. Enfin, je comprends tout à fait ce qu'il voulait me dire, quoi. C'est vrai que ça flingue tout le romantisme. Comment tu veux aller au resto et inviter ta bien-aimée à manger un soir, tu vois, quand tu sais qu'elle t'a foutu un papier comme ça parce que grosso modo, elle lui faisait pas confiance, quoi. C'était vraiment ça. Donc, c'était vraiment une conversation super intéressante sur l'argent. Et en quelque sorte, une millième preuve que ce qu'il faut avant tout chercher, c'est pas l'argent, c'est plus l'activité, quoi. Le truc que tu veux faire, le truc qui t'accomplit. Et il me disait, mais l'argent, il faut en avoir chié pour être heureux, pour en profiter. Et je dis, mais non, c'est pas vrai, parce que t'as plein de gens qui gagnent de l'argent, qui sont milliardaires, multimillionnaires, qui en chient grave pour le faire, mais au fond, ils sont pas heureux parce que le truc qu'ils ont fait pour gagner cet argent, c'est pas ça qui les anime, tu vois. Donc même si tu gagnes ton argent d'une façon un peu hardcore et que tu te démènes, c'est pas ça qui fait le bonheur, c'est vraiment la façon de le gagner qui rend le truc intéressant, quoi. J'ai passé vraiment une super après-midi, ça m'a fait du bien de sortir un peu dans la ville, parce que c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas redécouvert un peu ce chaos, cette monstruosité, cette activité un peu chaotique qu'il peut y avoir dans un centre-ville. Ce soir, il y a James qui dort ici. Enfin, je t'en ai parlé juste avant là. Le temps que ça se résolve, si ça se résout, tu sais, c'est pas gagné. Je pars en road trip dimanche. Alors, j'ai réfléchi comment je vais faire au niveau des vidéos. Honnêtement, j'ai pesé le pour et le contre et j'aimerais bien que tu me dises ce que t'en penses. Tiens, d'ailleurs, on va faire une espèce de sondage. Est-ce que je fais une vidéo, enfin, je prends, tu vois, je filme tout et au retour du road trip, est-ce que je fais une vidéo par jour ou est-ce que je fais un méga film sur tout le road trip? Est-ce que franchement, un méga film sur tout le road trip, tu vois, un truc genre peut-être 30, 40 minutes, on sait pas, tu vois. Est-ce que ce serait pas mieux que faire juste une petite vidéo comme ça à chaque fois? Je pense. Mets-moi ta réponse dans les commentaires et on avisera. Franchement, je suis plutôt penchant sur ce côté-là. Donc je t'influence pas trop, mais t'es libre de choisir, mais voilà. Et voilà, et moi je te dis à la prochaine. Demain, j'ai encore un tournage, un shoot, tu sais, de 3 jours. Normalement, si tout se passe bien, enfin tout va bien se passer, mais je gagne 700$. Et s'ils me retiennent dans toutes les séquences, ce sera 1200$ de plus, donc pour le road trip, ça va être pas mal, quoi. Allez, moi je te laisse, je te dis à la prochaine. Putain, j'ai pris des bras, non? Damn.